Beneteau est un leader mondial dans le domaine de la voile. Et donc pour nous, l'objectif, c'est de rendre accessible l'inaccessible. Par ailleurs, c'est aussi pour le groupe l'objectif de soutenir de jeunes champions, d'où notre engagement dans le classement BISU. Et enfin, c'est aussi un formidable projet mobilisateur, très fédérateur en interne pour l'ensemble de nos collaborateurs. Figaro Beneteau a toujours été un bateau sûr, performant et innovant. Par exemple, dès 1990, avec les architectes Fino et Béret, nous avons introduit pour la première fois les ballasts liquides. En 2003, sur la deuxième génération, nous avons voulu concevoir avec Marc Lombard un projet et un bateau par et pour les coureurs en solitaire. C'est pour ça que nous avons introduit en particulier titre d'un bateau plus océanique, les Bisafran, le Macarbon de série, ou encore le pilote automatique qu'on a ensuite transféré d'ailleurs pour les bateaux d'urgence. Et enfin, pour la génération actuelle, la génération 2020, nous avons voulu un bateau qui crée de nouvelles sensations et pose de nouveaux défis pour les marins, et bien entendu, qui sera centré autour de cette nouvelle technologie des foils. Alors le groupe a décidé de créer pour cela une division spécifique qu'on a appelée le groupe Beneteau Racing Division, qui sera installée sur le site de Cheviré, là où c'est autrefois Jeannot Technologies Avancées. Ce sera aussi pour nous l'occasion de rassembler nos meilleurs experts à travers nos marques, à travers nos métiers, et les différents domaines d'expertise du groupe, que ce soit les composites, la production, mais aussi l'accastillage. Ce projet va évidemment requérir des exigences toutes particulières en termes de qualité, de performance, et donc c'est un laboratoire d'innovation pour nous qui, je l'espère, donnera lieu à d'autres projets au-delà du Figaro Beneteau. Si je ferme les yeux, que je les ouvre, bon, d'abord je vais peut-être mettre ma capuche. Ensuite, je crois que je vais avoir un sentiment de plénitude et de bonheur extrêmement intense, genre comme ça.